Salut YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un haul beauté. J'ai le soleil qui revient. Il va y avoir sûrement des petits problèmes de contraste dans cette vidéo parce que le soleil s'amuse à jouer à cache-cache avec moi. Je vais vous présenter donc des produits de soins, toilettes, des produits de gommage qui viennent de chez Botanique. Et j'ai également commandé du make-up chez Ecoverde et des accessoires de la marque, de la toute nouvelle marque de Sana, Otera Beauty. Voilà, on va commencer donc par les produits de toilette. On commence dans l'ordre avec le premier produit qui est donc un gel douche que j'ai acheté dans la boutique bio de mon magasin botanique, hein, magasin qui vend beaucoup de plantes et de fleurs pour le jardin, mais qui a aussi une petite boutique de produits bio. Donc il y a de l'alimentation dans cette boutique, mais également des produits de beauté. Moi, c'est ce qui m'intéresse ici. Donc j'ai choisi ce gel douche pour mon mari. Il est à l'aloe vera et à la menthe fraîche. C'est un gel douche qui est hydratant et rafraîchissant avec une bonne odeur de menthe pour l'été. Ça doit être très frais, je suppose. Je vais sentir un peu. Oui, il sent très bon et c'est la marque Je suis bio. Voilà, donc je vous en donnerai des nouvelles dans quelques temps. Et pour continuer chez Botanique, j'ai choisi une toute petite marque qui s'appelle Louise et moi, je ne connais pas. C'est un savon gommant et celui-là, il sera plus maintenant pour la saison hivernale puisqu'il sent la cannelle. Il est donc à la poudre de cannelle et macadamia. Évidemment, ça sent les épices, hein, ça sent Noël. C'est un savon exfoliant, donc voilà. Je vous en donnerai des nouvelles aussi. Plus en saison hivernale cette fois. Ensuite, j'ai choisi dans mon magasin Biocop un gel gommant, cette fois-ci pour l'été, un gel exfoliant gommant, donc gommage corps et visage aussi, donc de la marque Pure Aloe. Il contient aussi 81% d'aloe vera, du beurre de karité bio, de la poudre de noyau d'olive et de pêche. Et il est sans sulfate. Toujours dans mon magasin Biocop, ils font aussi du make-up. Donc j'en ai profité pour prendre un tube de rouge à lèvres de la marque Boohoo Green. C'est une couleur rose, le numéro c'est le 311. Donc c'est un rose assez clair. Il se présente comme ceci. Voilà. Et c'est le rose que je porte actuellement sur les lèvres. Donc il est bien, il passe avec beaucoup de tenue. Il est, vous voyez, très clair, donc assez passe-partout. Donc je l'aime bien, ce petit rouge à lèvres. Il glisse bien sur les lèvres, il laisse les lèvres assez hydratées. Quand je fais comme ça, vous voyez, il y a un petit glissant comme ça. Donc il n'assèche pas du tout les lèvres. Et vraiment, sa couleur est passe-partout. On peut le mettre avec de nombreuses tenues. Et faire de nombreux make-up avec. Il est discret. Moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai passé une commande chez Ecoverde. Et j'ai donc choisi des fards à paupières de la marque Zao. Ça se présente dans des petits emballages comme ceci. Moi, j'ai pris les recharges. Donc c'est chaque fois des petits emballages, je les ai déjà sortis de leur emballage. Voilà, en carton. Et les fards donc se présentent comme ceci.
ici, tac tac. C'est ces quatre-ci que j'ai choisi, hein. Donc il y a un rose, un petit peu rose gold. Ensuite, il y a un prune. Et j'ai deux sortes de verres, donc un vert clair et un vert plus foncé. Celui-ci, c'est le fard donc Zui, dont je vous ai fait un swatch il n'y a pas longtemps. Je vous remettrai la vidéo ici. Et voilà, donc ces fards de chez Zao. Je vais vous donner les noms. Si je les trouve, voilà. Donc celui-ci, c'est le numéro 127. Peacock Blue. Ensuite, vous avez le 214, donc le vert plus clair juste en bas. Celui-ci, il s'appelle Aquamarine. Ensuite, j'ai le Purplish Grap. Voilà. Excusez-moi pour l'accent, j'ai pas fait anglais première langue du tout. Donc voilà, celui-là c'est le violet et c'est le numéro 215. Et ensuite j'ai ce rose gold qui a pour numéro le 271. C'est le Pinkish Cooper. Voilà pour ces quatre fards Zao. Et je me suis également pris un autre fard, celui-ci. J'ai déjà mis dans ma petite boîte là pour faire une palette donc personnalisée. Donc il est là, c'est un mauve. Et celui-ci, il vient de chez Boo ou Green. C'est le 217, la teinte améthyste. Je vous ai laissé ceci, mais en général j'enlève le couvercle aussi. Hein. C'est un packaging celui-ci qui est tout en carton avec juste un petit opercule sur le couvercle en plastique. Voilà, et voilà donc pour ces fards à paupières. J'ai choisi des couleurs assez peps pour mettre en été. Donc j'ai déjà le bouhou, je l'ai sur les yeux, je ne sais pas si vous allez bien voir, normalement oui. Il est pigmenté, il est superbe ce mauve améthyste de chez Bouhou Green. Je ferai bien sûr un swatch bientôt aussi. Pour les autres, je peux vite vous les swatcher si vous voulez. Allez, on commence par le vert Peacock Blue de chez Zao. Donc voilà, comme il se présente, il a l'air aussi pas mal pigmenté. C'est génial. Ah ouais. Ah, super. Ah, il est magnifique. Il est trop beau. C'est un bleu un peu qui va sur les tons bleu-vert aussi. Il aurait pu aussi très bien s'accorder avec ma tenue aujourd'hui. Oh là là, magnifique. Ensuite, le vert plus clair. Donc celui-là est assez brillant. Ah, pardon. Voilà, pour l'autre vert, c'est un vert vraiment pastel. Et celui-là est mat. L'autre était plus brillant. Voilà, comme il se présente. Ensuite, le violet. Voilà. Je pense qu'il faudra faire plusieurs passages ou bien... Et enfin, le rose un peu gold. Aussi très pigmenté. Je le mets là-haut, mais j'ai plus de place en bas. Ah ouais. Il est pigmenté aussi apparemment. Magnifique. Ouais, il est joli. Voilà ce que ça donne donc pour ces quatre teintes de chez Zao. Ensuite, je me suis prise toujours chez Ecoverde. Cette petite palette de chez La Vera Nature Cosmétique. C'est des tons un petit peu nude, taupe et marron. J'avais pas du tout ce genre de
J'avais pas vraiment ce genre de couleur non plus, donc en bio. Donc voilà. Ces quatre phares. Elle s'appelle la Lavera Quattro Beautiful Mineral. Et c'est la numéro 2 qui s'appelle Cappuccino Cream. Donc voilà, toutes des couleurs marron, donc du plus foncé. Ça, c'est un espèce de marron plus clair. Ensuite, un beige. Et un beige tout pâle, ou presque vers un rose pâle. Voilà. Je vous montre aussi le swatch. Alors, le plus foncé. Voilà, comme il se présente. Bon, on voit pas grand chose parce que c'est vraiment des teintes nude. On voit rien du tout. Je vais vous mettre la teinte qui est un petit peu plus taupe. Celui-là, on le voit déjà un peu plus. Ensuite, la taupe encore plus claire. C'est celle-là. Hein. Voilà. Voilà. Et la toute claire, je vais prendre mon tout petit doigt. Là. Et voilà pour ces quatre phares de chez Lavera. Donc pour faire un maquillage nude, c'est parfait. Chez Ecoverde, ils m'ont envoyé un échantillon gratuit de la marque Santé Nature Cosmétique. Donc c'est un fond de teint, apparemment le numéro 3 Warm Mido. Donc c'est un... C'est le Soft Care Foundation, voilà, de chez Santé Nature Cosmétique. Donc un petit échantillon pour pouvoir tester. Il est bio, vegan. Et ils disent qu'il est de couvrance moyenne, donc on va voir. Voilà, il est cruelty free, lui. Donc parfait pour tester. Voilà, et je vais donc passer à la commande que j'ai passée donc chez Autrera. Alors, j'ai pas pu faire autrement que de craquer sur la nouvelle marque de Sana, puisqu'elle a elle en a tellement bien parlé que je me suis laissée influencer. Donc, la boîte se présente comme ceci. Totalement neutre, donc pas de risque de vol de produits. Et quand on ouvre, on a le nom de la marque et tous les coordonnées internet sur le couvercle du packaging à l'intérieur. Et ensuite on a un petit papier de soie comme ça avec les produits à l'intérieur. Donc je vais enlever ce papier. Et donc j'ai choisi des pinceaux. Donc elle en a tellement bien parlé qu'évidemment je ne pouvais pas faire autrement que de craquer pour cette gamme de pinceaux qui, je l'espère, fera un super travail. Surtout celui pour le concealer, c'est celui qui m'intéressait le plus. Donc c'est celui que j'ai choisi. Il est comme ceci. Donc c'est emballé dans des petits sachets en plastique, comme ça. Je déballe avec vous. Ah, bien. Voilà. Ah. Il y a encore des autres protections pour protéger, donc comme ceci, les poils du pinceau. Voilà, je vais pas déjà le mettre dans le fard. Hein. Donc oui, ils ont l'air tout doux, tout fluffy, et ça n'indique que pour le concealer, ils sont vraiment parfaits. Donc je testerai ça avec vous. Oh, je crois pas que je vais... Ah, c'est par là. Je sais pas si je vais les laisser dans ça. Moi, j'aime pas laisser... Non, je vais pas les laisser là-dedans parce que ça va abîmer les poils à force. Voilà.
Oui, ils sont très très doux. Donc le pinceau est de couleur beige comme ceci. Il y a la marque écrit. Donc, oh, je vais enlever ce machin. Oh. Voilà, il y a la marque écrit ici. Et celui-ci, donc, ça s'appelle le double pinceau cerne applicateur et fixateur. Je vous mettrai les prix, mais il me semble qu'il était dans les 22 euros celui-ci. Donc, ensuite, j'ai choisi le pinceau Y4. C'est le pinceau à paupières qui fait tout, apparemment. Il s'appelle Y4 parce que Y pour yeux. Donc pareil, hein, toujours dans des petits sachets comme ceci. Oups, allez, viens vers moi. Voilà, j'enlève le petit opercule plastique. Et donc, il paraît qu'ils sont super pour estomper les fards. Donc, je testerai ça également. Le petit pinceau Y4. Ensuite, j'ai choisi cette fois un pinceau pour faire le dessous de l'œil. Parce que vous savez, je fais souvent mon dessous de l'œil avec du eyeliner. Oui, j'utilise du eyeliner sous les yeux. Mais j'ai aussi envie de tester de temps en temps avec de la poudre, avec un fard à paupières ou avec un crayon. Donc j'ai choisi ce petit pinceau ici qui est biseauté et elle dit qu'il est très bien aussi pour appliquer le liner, mais aussi pour bien passer sous le dessous de l'œil. Donc voilà, je vais essayer de faire un make-up sans mon eyeliner avec ce pinceau là et il s'appelle celui-ci le pinceau biseauté liner ras de cils Y6. Là, ceux-là sont mieux tubos pour mettre autour. On n'abîme pas les poils, je trouve, du pinceau. Les autres, j'ai un peu peur que ça les mette en quinconce. Donc non, je ne vais pas les remettre. Et pour finir, j'ai choisi donc la houppette. Donc une grande houppette aussi pour appliquer la poudre. Donc, elle dit que le packaging, on peut le garder. Je vais la sortir. Pour la remettre dedans quand on part en voyage ou même pour la protéger de la poussière. Oui, bon, on peut la refermer. Hein, c'est un sac qui se clipse là. Hop. Et donc, elle est comme ceci. En velours, toute douce. Et derrière, il y a donc une petite sangle pour la passer comme ça dans la main. Pouf, et pouf, pouf, pouf. Hein. On a compris. Donc, elle est avec différentes formes un peu octogonales comme ça. Ça n'indique que c'est pour mieux passer à certains endroits sur le visage. On testera aussi. Je n'ai pas l'habitude d'appliquer ma poudre avec une houppette, mais bon, voir si la texture de la peau sera pas plus jolie avec ce genre de houppette ici. Je testerai aussi dans un futur make-up. Voilà pour ce qui était donc de ma commande. Elle s'appelle la houppette Pilou Puff. Je vous mettrai bien sûr tous les prix en barre d'infos. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo beauté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, de vous abonner. Pour ça, je vous mets la petite pastille en fin de vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus pour vous abonner.
N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour avoir la notification de la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. Et je vous mets également en fin de vidéo une autre vidéo si vous avez un petit peu de temps. Et je vous dis bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonnes vacances à tous, bye bye.